Wow, c'est énorme. Hey, je viens de commencer, j'espère que tu vas mettre bien. Je viens de commencer la muscu, j'espère que tu vas mettre bien. C'est Fitness Fusion. Fitness Fusion, ils t'ont dit faut mettre ça. Ils m'ont dit faut mettre tout ça. Fais, je mets tout ça. C'est là, je mets des trucs comme ça. Mets des trucs. Mets des gélules, ils ont dit c'était bien. De l'eau, faut mettre de l'eau. Mets un peu de pré-workout aussi comme mets ça. Mets de l'eau. Tu veux de l'eau aussi? Non, frère. Alors, on va mettre un peu d'eau avec. Non, attention. Du fourmis, vas-y, mets, nique sa mère. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on a décidé de se mettre assis. On va juste parler. Parle entre nous quand vous n'êtes pas là. Et on va parler de compléments alimentaires. Parce que vous le savez, on travaille avec QNT depuis un an maintenant. Enfin, un peu moins d'un an. Franchement, c'est un beau partenariat. On est content de l'avoir. Ils ont des bons produits, c'est pour ça qu'on vous les propose. Et le rapport qualité-prix, c'est bon. Voilà, c'était surtout ça. Et au niveau du goût, ça nous plaisait beaucoup. Ils faisaient beaucoup de trucs tu kiffais, quoi. Ils font beaucoup de goût un peu de tout genre, donc c'est cool. En fait, ouais. tu peux trouver ton compte dans le tout. C'est varié et en plus c'est bon, c'est ce qui nous plaisait. Et l'image de la marque, on aimait bien. Les paquets, tout ça, ils étaient beaux et ça nous plaisait. Maintenant, on commence à avancer dans le feed game, tout ça, et on a besoin de moyens financiers, les gars. Ouais. Je sais que c'est même de renouveau, moi j'aime bien le changement. Moi j'aurais pu perso continuer avec QNT, hein. Moi je suis quelqu'un qui aime bien le changement, mais je vais te l'expliquer par la suite pourquoi de toute façon. Ah, bah, le problème c'est que sur YouTube c'est un peu tabou l'argent, tout ça, mais nous on a décidé de vous en parler. J'aime l'argent. T'aimes l'argent? Ça va. C'est bien l'argent. C'est mignon l'argent. Mais c'est pas le plus important. Moi je veux être libre. Ouais, moi c'est pareil. Je veux pas gagner des sommes faramineuses. Je veux juste vivre de ma passion, être tranquille, avoir du temps pour moi dans la journée, pouvoir faire du sport toute la journée. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. On a beaucoup de projets sur Fitness Fusion et ça demande beaucoup de sous. Par exemple, les vidéos là, jeux de loi où on doit payer un vidéaste à chaque fois. En moyenne, une vidéo comme ça coûte 500 euros. C'est ça. Miniature, montage et vidéaste. Plus les déplacements. On aimerait faire ça une fois par mois sur la chaîne en invitant des gros youtubeurs. Le mois prochain, ce sera sûrement des membres du Corona Gym. Il y a Solid Mike et Thomas Ranieri aussi. Donc chaque mois, un nouvel épisode. Donc pour ça, activez la cloche. Et voilà, donc QNT, c'est une belle marque, mais c'est une petite marque en fait dans le milieu. Faut pas leur demander des sommes faramineuses. Voilà. Donc, et on peut être transparent avec eux, leur dire ce qu'on touche, ce qu'on gagne. Bien sûr. QNT nous envoie 400 euros de compléments alimentaires dans tous les mois. Voilà. À ce niveau, on est bien, on paye plus nos compléments. Ça fait plaisir. Voilà. C'était l'objectif quand on a commencé YouTube. C'est ça. Mais au bout d'un moment. Non, mais juste petite anecdote, moi je me souviens, lui il avait sa chaîne gaming et il était sponsorisé par ProSize. Ouais. Et je me disais, putain, il a vraiment de la chance. Moi je galérais, j'étais étudiant, je devais aller acheter mes compléments et on avait lancé la chaîne Fitness Fusion et le premier objectif c'était pour moi d'avoir des compléments gratuits parce que vraiment ça c'était important pour moi. Si j'allais acheter de la viande c'était cher quand t'étais étudiant, du coup avoir un petit shaker tout ça c'était utile et quand on l'a fait j'étais heureux et tout et c'est pour ça que je me suis dit putain ils nous ont fait confiance, je veux vraiment travailler toute ma vie avec eux et en plus vis-à-vis de vous j'ai pas envie qu'on passe pour des girouettes à aller à gauche à droite au niveau des marques tout ça, c'est pour ça qu'on préfère vous en parler. On a envie de changement. Moi je pense pas qu'ils vont nous prendre pour des girouettes en soi, c'est comme par exemple t'aimes bien acheter du Adidas et tout, c'est pas pour autant que t'as pas envie de changement et de passer un peu chez Nike, tu vois. Ouais. Pour voir un peu aussi ce que ça vaut. Le problème, ce qui se passait avec le QNT, c'était tous les influenceurs, ils vous vendent Nike, comme il dit. Ouais, et que nous, on arrive avec des Puma. Ou du ASICS. Donc, on peut vous le vendre comme vous voulez. Ouais. Si vous préférez Nike, parce que c'est la marque la plus connue, c'est ça. Nike en comparaison avec MyProtein ou Nutrimus, là, c'est ça que vous allez acheter. C'est ça. De temps en temps, peut-être pour nous faire plaisir, vous allez utiliser notre code promo, mais en majorité, c'est dur de rester chez Nike entre autres. C'est comme moi, j'aime mettre des Jordan. Si demain j'ai 200 euros à mettre dans des chaussures, tu vas me dire, vas-y, prends des Puma parce qu'il y a mon code. Je vais dire non, je vais aller acheter des Jordan. Ah, c'est mort. Je vois. Toi, avant d'avoir un partenariat, t'as eu Prozis et ensuite QNT. Ouais. Tu utilisais quelle marque de compléments quand il fallait les payer? Tu veux que je te fasse le tout du début, toute la timeline du début à la fin? Allez, vas-y, si ça va vite. Donc, moi, quand j'ai commencé vraiment au moment où on s'est vu à la salle, on s'entraînait ensemble et tout, j'étais mignon. Ah, je t'ai trouvé mignon. Je me suis transformé en trop. moi, j'ai commencé. Pourquoi tu rigoles? Toujours hétéro-curieux dans cette chaîne. On allait faire des petits spas ensemble et tout, des homosexuels. Failli te battre aussi, je me souviens. Ouais, c'est vrai. Clochard aussi. Vas-y, passons. Moi, je me rappelle la première marque que j'ai utilisée et je l'utilisais pendant 5-6 mois, c'est la Watch chez MyProtein parce que c'était pas cher, encore moins cher que maintenant. Premier complément que j'ai acheté. Encore moins cher que maintenant. Ouais, et toi, je me rappelle que t'avais pris Goût Nature. Ah, et il était dégueulasse, on l'avait déjà dit dans une vidéo, c'était écœurant, je buvais ça avec de l'eau, sans goût, sans arôme. Ouais. Bref, comme quoi, même nous, avant d'être sur les réseaux, on était chez MyProtein parce que c'est ce qu'on voit partout en fait. Donc nous, on sait que si demain on va signer chez MyProtein, on leur envoie un mail, on travaille avec eux. Le problème, c'est que c'est pas de la qualité. Et nous, on a. La marque, elle a quand même changé depuis, attention. Ouais, mais en fait, quand nous, on a fait la vidéo qui est sur la chaîne,
Jordan du coup. Ouais, on avait été contacté, ouais. On a eu le partenariat et on avait reçu le colis et on vous l'a offert, ouais. Parce qu'on s'est dit qu'on voulait pas travailler avec eux. Du coup, le titre de la vidéo c'était On arnaque MyProtein. C'est ça. Allez voir hein, si vous l'avez pas vu. Et dans cette vidéo, justement, on disait quoi? Que MyProtein c'est pas de la qualité et que ça nous intéresse pas de travailler avec eux. Et le truc c'est que. Aujourd'hui, ils nous donnent 1000 euros par mois, du coup, on va travailler avec eux. Non. Imagine, non. C'est trop. Non, jamais. Pas du tout. Moi, jamais je travaillerai avec eux. Moi, ça m'aurait pas dérangé de bosser avec eux parce que leur marque elle a changé. Et je pense que les gens sont compréhensifs là-dessus. Comprendre que la marque a changé, tu peux évoluer. Ouais. Il y a des marques comme Puma, quand c'est sorti, c'était pas la folie. C'est maintenant, ça. Ils font des vraies chaussures. On a vu sur une Mike, on a un peu parlé avec lui. Il nous a dit que même les gérants, tout ça, ils avaient changé. Donc, c'est pas du tout la même marque. Mais c'est pas pour autant qu'on va travailler avec eux. Parce que moi, même si elle a changé depuis, j'ai pas consommé MyProt. Et je sais pas ce qu'il en est en fait. Je vais pas conseiller un produit que tu consommes pas. Bah, moi, c'est pas la question de protéines chez eux. C'est la gamme qu'ils ont. Elle est très grande. Ils ont beaucoup de trucs à manger. Et nous, on aime bien manger en fait. Et les vêtements aussi. Et les vêtements, ils sont vraiment stylés chez MyProtein. Ça vient gratuit. Je sais, vous me voyez souvent avec les mêmes habits. Les gars, j'ai 7 tenues. Il y a 7 jours dans la semaine. Voilà. Bon, je dis. Donc moi j'ai fait MyProtein. Ouais. Et après une fois que j'ai commencé à vraiment m'y mettre un peu plus, je suis passé chez Citec. J'ai sûrement connu. Là, je connais de nom, mais j'ai jamais fait. Citec Nutrition, je suis resté peut-être. J'ai fait 2 pots avec eux. Moi, j'étais chez Biotech juste après MyProtein. Bah, juste après Citec, je suis passé chez Biotech. Ok. Et après Biotech, j'ai fait Optimum. Et là, c'était et l'amour. Pareil. C'est vraiment pareil. L'amour fou. Mais je me ruinais pour ces compléments alimentaires. Pour moi, c'est les meilleurs du marché. Si demain il m'appelle, je dis oui tout de suite. Je suis d'accord avec lui. Que je sois avec n'importe quelle autre marque qui me paye cher tous les mois pour l'exposer sur YouTube, je me barre. Marque de cœur. Mais ils vont pas nous regarder les gars parce qu'ils sponsorisent que des athlètes, des bodybuilders, tout ça. Que Saïli en France et c'est tout je crois. Parce que c'est un très gros les gars. On a pas la stature de Saïli. En fait Optimum pour moi c'est marque premium. C'est pas si cher que ça en soi tu vois pour ce que c'est. Les apports c'est pas les meilleurs du marché mais le goût. Ouais, la tête de ma mère. La texture aussi, bon. Ça mousse pas et tout. Ça mousse pas, c'est, ça glisse. Ouais, bon. Mais en vrai c'est une bonne protéine. Mais c'est cher. Ouais, si vous avez de l'oseille, oui mais c'est cher. C'est ça le problème. En fait rapport qualité prix on est plus dedans, c'est trop cher. Après il y a eu QNT, hein. Donc après c'était QNT, mais entre deux j'ai toujours été tenté par Nutrimuscle qui pour moi avait une belle image, c'était fabriqué en France, c'était des produits purs tout ça, mais on est parti à Malte, j'ai goûté, c'est immonde, pas terrible, le goût est immonde, les apports pas trop dessus parce que si demain on travaille avec eux, on est dans la merde, le goût il est pas bon, ça dépend desquels produits, il y a des produits le goût est pas bon, genre tout ce qui est multiminéraux et tout c'est horrible, bah ouais, même les vitamines c'est un goût pas bon, normalement un cachet ça a pas le goût, et c'est ça qui me plaisait pas, tout dans la marque me plaît, sauf ça, par contre les apports c'est de la bombe, ouais c'est de la bombe, c'est de la bombe, et c'est fabriqué en France, et c'est de la qualité. Y a rien à dire. Après, on m'a dit que depuis que maintenant ils prennent tous les influenceurs, les prix ils ont augmenté de 30% sur à peu près tous les produits. Donc, à voir. Donc là, nous on est en train d'étudier la question. On cherche une marque de complément alimentaire et on voulait parler avec vous justement. Dites-nous en commentaire, vous, quelle marque vous consommez et avec quelle marque vous aimeriez que nous on travaille. Parce qu'on est on regarde un peu partout ce qui se fait là. On n'a pas envie de choisir n'importe quoi. Moi, je l'ai dit, j'aimerais bien une marque avec vraiment quelque chose de très varié qui s'implique sur la qualité des produits. Que ça peut être bio, ça peut être vegan, tu peux trouver vraiment de tout en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est vrai que le vegan c'est à la mode, après moi même c'est pas ce qui m'intéresse, mais le bio c'est devenu important. Bio c'est important. Et, ouais. Mais ouais, qualité du produit. Ouais, c'est ça, qualité du produit. Variété. Je suis totalement aussi. D'accord. Variété des produits, moi je veux des parts. Même le packaging, je sais pas, moi je trouve que c'est important. Le packaging, ouais, plus, c'est pas terrible. QNT, moi j'ai kiffé. QNT, j'aime bien. QNT, dès la première QNT, vidéo, je vous l'ai dit, j'aime bien tout le branding. Et le branding de Biotech, j'aimais bien aussi, tu vois. Après, c'est au-dessus aussi là. Ben, moi, je veux juste savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, tu vois. Avec qui est-ce qu'ils aimeraient qu'on travaille. J'aimerais bien qu'en commentaire, vous me dites c'est quoi les compléments que vous utilisez et sans mentir. C'est pas parce qu'on est chez QNT qu'il faut on utilise QNT, code machin. Faites pas les suceurs. Dites la vérité en commentaire. Dites, moi, j'utilise par exemple MyProtein avec le code de Brutus. Et c'est tout. On veut juste savoir. Mais par contre, merci à tous ceux qui nous ont soutenus là pendant un an avec le code QNT. Ça fait plaisir. C'est peut-être toujours d'actualité là, donc si on a toujours le code, n'hésitez pas. Ouais. Nous, ça nous aide beaucoup pour poursuivre nos efforts sur YouTube, pour continuer à monter. Mais là, on pense à changer, donc on est honnête, on vous le dit. Et dites-nous si vous utilisez le code. De toute façon, on le voit, on voit les noms, les prénoms à chaque fois. De toute façon. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous propose sur Fitness Fusion? Mais dites-le quand même en commentaire si c'est MyProt. Hein. Ouais, n'hésitez pas, dites-nous tout ce que vous pensez. Sauf Prozis. J'ai travaillé avec eux, je vais travailler avec eux. Si vous voulez poursuivre cette discussion, ça sera sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, je suis en train de le booster en temps. Ça monte. Donc rejoignez le groupe Discord. Il y a plusieurs salons, sèches, masses, produits dopants, c'est vrai, il y en a. C'est très grave ça. Donc voilà, si vous voulez des conseils gratuits, il y a peut-être des mecs plus âgés que vous qui pourront vous aider gratuitement. Nous, c'est payant sur le site www.fitnessfusion.fr. Mais sur le Discord, c'est du coaching à distance ou sur place. N'oubliez pas que. Wow, je suis là. Si vous voulez que je vous coach sur une séance, je fais ça carré les gars. Allez voir d'ailleurs cette vidéo pour voir à peu près comment je m'entraîne. Là, c'était une séance pectoraux avec Newton. La vidéo est lourde les gars. N'hésitez pas. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimousse, l'homme fort. Et Didjo. Je veux quelque chose. T'as dit Pimousse, j'ai dit l'homme fort. Je fais un jingle. Et Didjo. Chestman. C'était nul. Force et fun. Ah là, faut que je me trouve un truc.